Waouh, ça fait 3 heures que je suis en attente, les refs. Et en même temps, j'ai rendez-vous à 11 heures, je suis arrivé à 8 heures, donc c'est pour ça. J'ai coupé la clim. Parce que sinon, c'est trop bruyant. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a posée très souvent. C'est combien je gagne en tant que chauffeur routier? C'est très 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 facile, frérot. Moi, j'ai pas de tabou sur ça, tu vois. Donc, je vais t'afficher ma fiche de paye du mois d'avril. Paf! Regarde. Ah, oh, trop de lumière. Donc, regarde, sur ce mois d'avril, j'ai fait. Combien d'heures j'ai fait? Tu vois, par exemple, sur ce mois d'avril, j'ai fait 138 heures de volant et 46 heures de temps de travail. Ça fait au total 184 heures et je suis payé 11,45 € de l'heure. Et du coup, je vais te montrer les frais, combien on gagne avec des frais. Tac, je vais t'afficher de toute façon la feuille. Alors, les frais, moi je gagne 14,34 € de l'heure. Enfin, le repas de matin, le repas du soir, c'est 14,34 €. Tu prends 14,34 € plus 14,34 € de soir plus 31,50 € le découcher, ça fait total dans la journée 60 balles, 60 euros, tu vois, en découchant dans le camion. Donc tu manges dans le camion, tu dors dans le camion, tu gagnes 60 balles. Attends, du coup là je vais partager, je vais te montrer combien je gagne pour les autres mois, tu vois, parce que ça change tout le temps en fait ma paye, parce que il y a des mois tu gagnes bien, il y a des mois tu gagnes pas bien parce que tu travailles pas beaucoup, tu découches pas beaucoup, tu vois. Regarde, ah tiens, je viens de recevoir ma paye de ce mois-ci, je gagne 2087 €. Bon, j'étais en vacances aussi, tu vois, ce mois-ci. Tac, regarde, en salaire en un an, 2900, 2800, 3002, 3000, 2800, 3000, 3400, 2900, 2700, 2021, je gagnais 2800, 2700, 1900, 2300, 2400, 2000, 3003, 2008, 2007, blablabla, 3000, t'as vu. Mais quand tu vois des payes de 3000, c'est que je charbonne sa mère, tu vois, des mois pour toucher 3000 balles, tu vois, genre en moyenne par mois, enfin par semaine plutôt, je tourne entre 50 heures et jusqu'à, je peux aller jusqu'à 60 heures par semaine, tu vois. Mais en moyenne, on tourne autour de 54-56 heures par semaine. Mais bon, c'est rien par rapport aux chauffeurs qui roulent en frigo, tu vois, les mecs en frigo, mais des heures, mais ils explosent les heures. Et voilà. Et puis sur un salaire normal, tu vois, t'enlèves environ entre 20 et 25% des frais. Parce que les frais de route, ça représente entre 20 et 25%, tu vois. Ah, je vais remettre en travail, frérot, parce que là. Voilà. Et sur un temps de travail, tu vois, donc tu vois des payes comme ça, t'as l'impression que c'est beaucoup. T'as l'impression que c'est beaucoup, tu vois, mais au final, tu travailles beaucoup aussi, tu vois. C'est pas parce que tu gagnes beaucoup, tu branles rien. Non, tu es tout le temps sur la route. Tu pars lundi, tu rentres le vendredi, des fois le samedi, tu vois. Parfois, tu pars dimanche et tu rentres le samedi. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question, les profs. Là, je vais mettre en travail et, parce que je suis à 3 heures de coupure, hein. T'as vu ? Avec 3 heures de coupure. Ah tiens, j'ai changé de camion aussi. Enfin moi, j'ai un nouveau camion maintenant. Mais je vais faire une vidéo de présentation de mon camion quand j'aurai le temps, tu vois. Comme ça, ça fait un peu de contenu. Tac, je vais me remettre en travail, mon ref. J'attends un peu 3h01, je vais mettre en travail. Sur ce, les refs, passez une bonne journée. Je vais mettre la clim. Il fait trop chaud. Ah, il y a trop de soleil, mon ref. Allez, bisous.